Un grand architecte pour construire la nouvelle mairie, un grand artiste pour en décorer les plafonds, Montpellier mise sur la culture pour faire rayonner la ville. Montpellier choisit avec Alain Fleischer un très grand artiste d'ordre international. Donc soyons fiers de cet hôtel de ville, soyons fiers des grands artistes et ne cédons pas à des petites polémiques, à des petites médiocrités. Tirons toujours vers le haut, regardons devant. Voilà, c'est le sens de ce choix. Je crois qu'on peut en être fiers. L'œuvre se présentera sous forme de photos sur toile blanche. Les trois plafonds immenses, entre 600 et 700 mètres carrés, représentent un budget de 400 000 euros. Ces trois plafonds gigantesques, effectivement, ils renouent avec la grande histoire des plafonds dans les bâtiments publics. Donc il va s'agir pour moi de répondre à ce défi, de dialoguer avec la ville, avec son histoire, avec sa vie d'aujourd'hui, avec toutes ces qualités merveilleuses qui la rendent si attirante. L'artiste a déjà défini les thèmes de son inspiration, histoire de la ville, liberté, ainsi que célébration. En attendant la fin des travaux, les premières photos devraient être rendues fin avril.